télévisé qui l'a maté en vendredi 30 août 2024 là, dans la conférence de presse que les secteurs revendicatifs et homo douamoun apay dans le cadre et tentative qu'a faite de la part de la primature et du conseil présidentiel de transition qui décidait pour yo éliminer une grosse institution que le pays a gagné, qui c'est le Centre national d'équipement qui en fait nous connaît sous nom CNE. Moi venir là avec un lot dossier pour que dans le premier temps moi ca expliquer nous parce que depuis 2009 moi même mettre Vel Fanfan et cabinet nous ici là nous c'est avocat syndicat CNE donc avocat employé CNE. Et là nous dit avocat m'a parlé dans le sens que accompagnement que au mode douamoun by group qui est plus vulnérable dans le pays, accompagnement que nous avons pour ça. Je dis nous que la tentative pour démanteler CNEA n'est pas datée d'aujourd'hui à cela. Le 24 avril 2017, il y a une commission qui montait dans la tête CNE. Il te gen pour mission pour yo te démanteler CNE, ça veut dire craser CNE. Et yo prend une décision côté que yo voyait aller les 1400 et quelques employés qui te gen dans CNE. Moi prend dossier ça, m'aller par devant la cour pour y aller compter du contentieux administratif et dans ce premier temps nous gen des causes. La cour a décidé que yo pas capable de voyer moun yo aller j'ai décidé a et li décidé que pour yo rétablir moun yo dans droit. Ça c'était un premier gourmet. Il y a pile l'autre tentative qui fait pour craser CNE tout comme pour craser un paquet l'autre institution dans pays. Et à notre grand étonnement au mois de mai qui se passait là, les secteurs revendicatifs qui gagnent là-dedans, l'ensemble des ouvriers, des travailleurs, des syndicats, des groupes organisés dans le pays et aussi des journalistes, nous montaient un document qui relaie cahier de charges et des propositions du secteur revendicatif qui était adressé à conseil présidentiel là et à la primature, donc premier ministre et son gouvernement. Et nous t'ai exposé Bali un ensemble de problèmes et parmi problèmes ça yo nous t'ai posé problème CNEA devant. Et le 9 juillet qui se passait là 2024 qui se passait là, le premier ministre et son cabinet t'ai recevoir nous et nous tout t'ai connait ça une délégation de secteur revendicatif là côté que nous t'ai arrivé discuter ensemble avec de yon ensemble de éléments et notamment le dossier du CNE qui méritait yon traitement parce que nous t'ai estimé que les 1200 employés du CNE après plus de 30 ans de service en leur qualité de agent permanent de la fonction publique, malgré décision qui prennent au niveau de l'autre, ils n'ont pas jamais arrivé à les avantages que la loi Bayo. Et Premier ministre Gary Conille a déclaré publiquement que le cahier des charges noir correct et ça nous demande correct et juste. Et à notre grand étonnement, dernièrement là, ce même Gary Conille, premier ministre de son état, de mon pays, l'a décidé à la toute dernière minute, et selon les informations, vous avez les photos, il y a des gros potentats qui impliquaient jusqu'au cou dans le dossier détournement CNEA, qui décidaient à
tout prix, il faut qu'ils écrasent CNE. Et premier ministre, là, de manière vague et irresponsable, Libral font première déclaration à la presse, côté que Libral décide que Libral rend caduc. Donc, cette institution qui relève Centre national d'équipement, et Libral voyait équipement yo bay l'armée d'Haïti. Et hier, yo te programmé yon conseil des ministres côté pour yo te prendre yon arrêté pour yo te enterrer cette institution.